Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec Damned. Salut Damned! Salut les gens! Et on va commencer cet épisode en pillant les monastères et en se faisant 2000 ducats, parce que voilà, pourquoi pas. On s'était quitté, on venait de faire une paix, plutôt intéressante, hein, l'un dans l'autre. Oui, carrément même. Alors ici, est-ce que ça vaut le coup de laisser deux armées? On a eux déjà. On va laisser la compagnie des Amazones dans le coin. Cette compagnie là aussi, tant qu'à faire. Et eux par contre, on va les replier. Alors, nos bateaux qui étaient en train de couler, c'était censé être la flotte d'ici. On va donc la ramener ici. Et puis bon, on va enlever la pause. Alors par contre, ça repète niveau coalition, hein, sans surprise. On a l'habitude maintenant. Kutai nous demande un accès militaire, on s'en fout de Kutai. Et on a plus de trêve avec l'Espagne et avec le Portugal. C'est ça. Pour dire qu'on a des occasions de s'amuser si on veut. Effectivement. On a aussi des occasions de se faire défoncer la tronche, mais bon. Ici, on retourne là. Alors ça veut dire aussi que, éventuellement, on pourrait demander à des gens de déclarer des guerres pour nous, hein, si on voulait. Tiens, l'Espagne a décidé de s'occuper des chichimecs, visiblement. On va regarder un peu ce qu'on a comme possibilité au niveau des colonies, là. Terra Papillote, contre qui tu peux déclencher des guerres? T'as aucun casus belli. Toi t'as un casus belli. Milice locale. Ah, l'ère des révolutions. Ça y est. Oh là là, on perd 20 000 sur les réserves militaires, mais laissez mes réserves militaires quoi. Sérieux? Laissez-les en paix. Pologne va attaquer la Prusse. Voilà une bonne idée. Toi, tu peux attaquer la Nouvelle-Espagne. Bah ouais, go. Les flammes de Chobiti, tu peux attaquer la Nouvelle-Espagne, go. Est-ce que les vengeurs bretons, ils pourraient pas attaquer des gens aussi? La Californie espagnole, je suis un peu moins convaincu. Oh, quoi que si, personne, c'est personne la Californie espagnole. Allez go. En attendant, on va leur demander de s'occuper un peu. Boum. La Nouvelle-Espagne va se faire piétiner par deux colonies, ça devrait les calmer. Alors après les Caraïbes, elles doivent être un peu affaiblies. Mais on va se contenter des colonies espagnoles pour l'instant. Parce que le Portugal, il y a moyen qu'on se le fasse à la main nous-mêmes. Sur un malentendu. Mais oui. Carrément. Oh tiens, de l'inflation, allez je prends. Ah. On a les... Ah non, on ne connaît plus les effets du commerce du cacao, dommage, c'était plus 5% de reconstitution des réserves. Ouais, oui. Parce que c'est pas tout ça, mais... Font chier, quoi. Ça y est, ils sont arrivés, eux. Oh putain, ils souffrent. On a 5 commandants pour 5, donc on ne peut rien faire pour l'instant. Ah oui, parce que le commandant de nos Amazones compte. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr qu'il compte. Bon, on a réussi à unifier un peu cette zone. Maintenant, faudrait virer cette tâche portugaise là. Sans aucune insulte pour les Portugais, hein, c'est uniquement dans cette partie là, bien sûr. Vous allez vous entraîner en fait plutôt. Notre professionnaliste, il en est où? Ouais, il remonte pas des masses. Hein. On galère un petit peu à le faire remonter. Ah non, en fait, on a deux amiraux. Ça compte pas le. L'Amazon ne compte pas. L'Amazon va se charger de.
de gérer les rebelles puisque elle peut pas s'entraîner. Ah, ça se passe globalement pas trop mal cette partie. Ouais, carrément même. Est-ce que je passerai pas en vitesse 3? Ah, tu l'as parmi, bah si tu peux carrément. Non, je l'ai parmi suite à nos guerres là. Est-ce qu'on n'exigerait pas l'annexion de la Picardie? Parce qu'on va pas la faire grossir des masses, hein. Sur Liège, c'est toi qui vas prendre probablement. Ou alors je la relâche et tu lui tombes dessus comme un gros fumier. Est-ce que tu as une préférence? Ça pourrait. Parce que ça va me prendre du temps de l'annexer des points. Donc... Je pourrais aussi faire ça, ou peut-être même que je peux la vassaliser derrière, je ne sais pas. Bah écoute, si tu veux, je peux essayer, je la relâche. Enfin. Alfred 2 embarrasse la cour, près de perte de 1 en stab. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. Cessons d'améliorer les relations avec la Picardie. Alors, exiger l'annexion, ça me coûtera 251 points et ça va prendre des plombes. Ou alors on le libère. Ça nous coûtera 25 en prestige et il va plus nous aimer. Ce qui est pas forcément grave. Bon, on va peut-être mettre pause histoire que tu puisses jeter un œil dans la foulée. Vas-y. On va attendre la fin du mois. Comme ça, on pourra juste mettre pause 2 jours pour que ça recalcule. J'ai eu un event, mais j'ai mis slick. Un homme d'état de culture anglaise fera son avant. Ouais, il coûtera 50% moins cher. On va jeter un œil. Stop! Allez, je la libère. Donc normalement, on pourrait m'allier et on serait à 56 pour et moins 56 contre. Il y a moyen. Si je la m'allie avec elle, elle est toujours à 56 pour et moins 56 contre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la vassaliser et l'annexer derrière? Bah, là, faudrait que tu l'influences un peu, peut-être. Je suis sûr qu'elle doit être sensible à l'argent. Ok, bah vas-y, je vais faire ça. Hein. J'enlève la pause ou tu... Ouais, vas-y. Ouais. Non, enlève-la. Je proposais une alliance, déjà. On va attendre un peu avec... Alors, il y a des gens qui sortent des coalitions, des gens qui reviennent, des gens qui sortent... On va garder un mec qu'on va l'envoyer sur les alliés, plutôt. Il s'agirait pas non plus que les Ottomans décident de se barrer d'un coup. Voilà, je suis en train d'influencer ce qu'elle m'aime mieux pour la vassalisation. Ah bah je passe à 57 et moins 57. Oh. Ok. J'ai gagné plus en confiance, il y a eu un moins 1 pour la comparaison entre les assises. Oh, me casser les mecs hein relous jusqu'au bout quoi. Bon, toi t'es dispo, tu sers à rien, vas-y, hop, hop. Ouais, j'ai amélioré un territoire, c'est bon. Je vais pouvoir pour les vassaliser. Ah non, je peux plus déjà. Je peux plus, c'est vrai, il faut que j'améliore les relations avant, je suis con. Oui, il faut que tu sois à 80-190, un truc du genre. 190, ouais. Bon, je vais voir, il y a peut-être moyen. Bah, tant qu'à faire, si je peux le faire proprement, ça évitera que je me tape une guerre de. Enfin, que j'ai tout le monde qui me tombe dessus juste pour ça. Ouais, c'est sûr. Du coup, on a libéré une relation, nous. Ouais, on a libéré une relation. D'ailleurs, on peut pas faire un mariage avec Katsina, on n'avait pas imposé la foi. On pourrait. On a des gens à convertir et on va avoir beaucoup trop de points. Alors attends, j'ai tellement de points là. Il va falloir faire quelque chose. Qui c'est qui gagne des trucs? Calais. T'es toujours à 10, Calais. Bah on va te développer, en plus comme ça tu aideras le Normand éventuellement, à l'occasion. Allez, tu vas passer à 30. Parce que ça me fait plaisir. Et en plus du coup, tu vas être bientôt comme il faut. Une province amie voisine a adopté les Lumières. Ah bon? Qui ça? Ah, les Lumières ont été adoptées à Londres, j'avais pas vu. Parfait. Du coup, on peut pas la prendre. Non, on peut pas la prendre. Mais encore une province et on devrait pouvoir. On va commencer à économiser un petit peu.
Bon, le prestige, on a fait un peu n'importe quoi avec parce qu'il fallait. L'Autriche a adopté les Lumières. Scandale. Encore une raison de les écraser, tiens. Tu m'étonnes. Oh putain, ça s'avance pas ici. York éventuellement. Alors après, ça va commencer à avancer un peu plus vite dans ce coin-là. Là. Il y a de la soie en plus ici. Allez hop. On claque les points militaires parce qu'on veut des réserves. Hein. D'ailleurs, maintenant qu'on a posé ça, on peut peut-être voilà mettre quelques petits bâtiments là. Ça y est, on peut prendre l'institution. Ça nous coûte que 5800. Ça va. Enfin après ça sert à rien étant donné qu'on est à 25% de toutes les techs. Donc on va pour l'instant pas la prendre. En attendant que nos points remontent éventuellement. Ah bah ça y est, on a le casubili colonialiste contre l'Espagne. Il est quand même temps. Et comment ça veut dire qu'ils sont en train de coloniser des trucs? Mais où est-ce qu'ils colonisent des trucs, c'est con? Il reste des trucs à coloniser? Sérieux? C'est pas possible, il n'y a plus rien à coloniser. Droit de douane sur la laine, ouais on taxe. Ouais. Bon, la prochaine fois que j'ai ce message, il faudra que je regarde le nom des provinces parce que je vois pas bien ce qu'ils colonisent. Hein. Un nouveau maître instructeur. Ouais. Bouf, celui-là il est très bien. Du coup, ce que j'avais vu, c'est que on pouvait faire. Ah, tout ça s'est légitimé. Hop. Un petit mariage royal avec eux là. Du coup, maintenant qu'ils sont anglicans, on va récupérer donc un petit diplomate. Améliorer nos relations avec la Normandie, parce que ça ne mange pas de pain. Nous pouvons intervenir dans un conflit contre une autre grande puissance. Bah, non. C'est bon, ça ira. Est-ce que ça vaut le coup de la faire grossir? Ouais, plus, pareil, hein. Je peux adopter la situation pour 6200 pièces. Allez. Allez, on va commencer à annexer Katsina à nous. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Plus grand chose. Les séparatistes béninois, tu t'en occupes Amazon? Ouais, c'est bon, tu t'en occupes. Tu vas où toi? Ce roi un Bénin. Pourquoi elle y va comme ça? Non, les fanatiques sunnites, ils sont pas contents là. 30 000 fanatiques sunnites. Aspiration à liberté de 64% pour les flammes de Chobiti. Ils viennent de terminer leur guerre, c'est ça? Oh là oui, la Nouvelle-Espagne! Oulala, ça pique! Et la Californie espagnole n'existe plus! Ouais, ben. C'est propre. Maintenant, il faudrait qu'on aille ponctionner quelques trucs ici pour pouvoir les faire grossir. Mon dirigeant est mort. C'est quoi ça? Occupé par Salish. Ok. Impératrice consort, ok. Il y a des gens qui rentrent de la coalition, des gens qui sortent, c'est un peu le bordel, hein. Faut être clair. Ouais, c'est un peu supermarché, quoi. La France est toute seule, est-ce que quelqu'un aurait éventuellement un casus belli dessus? Bah oui, les 119 colonies, hein, c'est une... Vous voulez pas attaquer la France? 119 colonies, elles sont toutes en bas, je crois. Ouais. Ah non, non, elles peuvent... ils peuvent déclencher des guerres que contre une autre colonie ou contre des indigènes. Et comme la France est un pays, certainement, mais ils peuvent pas déclencher la guerre. Faut que je la fasse pour eux. C'est un peu triste.
C'est un peu chiant, triste. Hein. Ouais. Est-ce que j'ai une armée sur site? Après, j'ai une armée sur site. Hein. Mais bon, ça va encore faire chier avec la l'expansion agressive. Alors comment ça se fait qu'on n'est pas à 100%... L'Espagne a rejoint la coalition contre nous. Mais ah, c'est moins drôle ça. Ouf. Ah oui, tout ça c'est légitimé, donc on peut maintenant le donner à la compagnie commerciale. Bah oui, bien sûr. Boum. Bouf, bouf. M'inquiète pas plus que ça. Je constate. C'est vrai que ça bon, m'emmerde juste parce que ça fait longtemps que je veux déclarer une... Bah dis-moi, il y a peut-être moyen de faire un truc ricochet, tu voudrais attaquer qui? Espagne? Ah non, c'est la Savoie que j'ai envie de bouffer, là, pour relier mon territoire, j'en ai marre que... ce soit pas le cas. La Toscane rejoint un truc contre nous, il y en a de plus en plus. Ah oui, puis ils sont pas contents, ils font chier, c'est ça? Non, ceux que je les avais en allié, en fait, j'ai arrêté de les prendre en allié parce que justement, je voulais leur déclarer la guerre, mais en fait, derrière, il y a eu la coalition qui s'est faite, et du coup, bah, j'ai laissé tomber. Allez, on prend toutes les techs. Ah, il y a une Kétu, on va convertir Kétu. On prend toutes les techs, on a une mission qui a été menée à bien. Qu'est-ce que c'est donc? Construire des manufactures. Bah go. On gagne plein de bonus de production. Machine à vapeur de Watt s'applique dans plein de provinces, c'est parfait. Et révolution industrielle, il faut quoi? Il faut avoir des bâtiments de type fourneau. Et ça y est, la Picardie est devenue mon vassal. On va finir par l'annexer. Attends d'occuper toi. Ça y est, on a 200 points, on va prendre la stab. Débat au Parlement sur la doctrine. Bah on vient de claquer des points de puissance cléricale, donc on va en perdre, puisqu'on en a zéro, j'ai envie de dire. Ok, ici on s'en occupe. Voilà, on va laisser faire le dessiège, hein. On rentre à Pilinga après. Alors ici on peut créer une compagnie commerciale du coup. Parce qu'en fait, cette zone... Ah, notre consort est décédé. Cette zone, c'est ça, d'accord. Allez, hop, c'est une nouvelle compagnie. Oh, il a réussi à passer une réforme. Maintenance des états, moins 25%. Et offre un casus belli contre les pays non membres, mais limitrophes, pour les contraindre à l'intégrer. Bien joué. Franchement, vu le temps qu'il était à 42-45, j'y croyais plus, quoi. Pas faux. Bon, les Amazones font le taf. Demande accrue en poivre. Ok. Ah, des hauts fourneaux. Ça y est, on va commencer à avoir des hauts fourneaux. Alors, comment ça marche? Fourneau requiert charbon, pour l'instant on n'a pas de charbon, donc il faut qu'on arrive à trouver du charbon. Alors, une colonie, ce qui veut dire qu'on peut envoyer un colon là. Hop, on retourne au pays. Pourquoi parce que je voulais... Oui, regardez, absolument pas ça, ça là. C'est déjà de niveau 3. Donc oui, tu m'as dit que les carrefours commerciaux, les ports, on ne pouvait en améliorer que 6. 6, ouais, je me suis trouvé à claquer mon pognon en boucle jusqu'au moment où on m'a dit « Bah non, tu peux plus, t'en as déjà fait 6. » Voilà, 6 ports mondiaux. Donc, bah écoute... Je t'avoue que je les ai montés sans trop regarder, hein, mais... La province de Basse-Auvergne possède des nouvelles du charbon. Dorénavant du charbon. Ah, cool, bien joué.
Bon, faudrait moi. Je sais même pas comment c'est arrivé, quand, comment, mais... C'est avec les lumières, il commence à y avoir du charbon et du coup tu peux construire des hauts fourneaux. Ah. Bah ouais, pourquoi pas. Ça y est, on commence à avoir du charbon. Alors, on va pouvoir commencer à construire. Alors ça fait quoi d'ailleurs le charbon? Module de production plus 5%, bah go. Par contre c'est ouf les pirates qui sévissent hein. En plus c'est nos propres colonies les pirates, c'est un peu la tristesse. Effectivement il y en a. Notre héritier sera maritime. Bah dis donc, ils ont tous longévité des navires quoi. L'héritier mort l'avait maintenant et le nouveau là aussi. Le dirigeant là, tout le monde là. Intégration de Katsina, parfait. Katsina fait désormais partie de notre glorieux pays. Ça y est, c'est mon dirigeant 3 de 4 qui est sur le trône. On va recruter une armée. La Russie est en guerre contre les Timouris et les Ottomans. Oui, du coup, j'avais même pas été voir c'était quoi le délire, mais... Discipline plus 5%. Bon, bah, on prend, hein. Il nous faudrait un endroit où on peut mettre 40 000 hommes. Ici. C'est vrai que, mine de rien, les Ottomans et les Timouris, ils sont quand même assez énervés dans cette partie, hein. Bon, les Ottomans, ça, c'est habituel, clair. Hein. Mais... Encore, c'est vrai qu'ils sont... Vu qu'ils ont été bloqués par les Timouris, ils ne sont pas si gros que ça. Ah, je suis passé 3ème puissance, j'ai dépassé l'Espagne du coup. Bon, devant moi inatteignable, il y a l'Ottoman, et puis toi t'es encore plus qu'inatteignable. Hein, mais... Attends, excuse-moi, je m'épose parce que je rigole là. Enfin, je rigole. J'ai une un event. Une tribu demande notre aide, une tribu de Jukun. Alors j'ai comme choix, j'ai... Mais savent-ils seulement combien ça coûte? Et du coup, ils perdent plein d'effectifs, je perds de la probabilité de colonisation et tout, machin. Ou alors, donnons-leur tout ce que nous pouvons, perdre de 40 ducats. Mais savent-ils seulement combien ça coûte? Oh la gueule. Ça va, je pense que c'est acceptable comme coup. Je m'en remettrai. Ouais, excusez-moi, c'est pas super drôle hein, dans le contexte, mais j'avoue que si ça m'a... J'ai ri. Je sais pas si tu t'en mettras, mais bon, après, au pire, je te ferai un don. Tu me feras un petit prêt, ouais. C'est gentil, j'apprécie. Est-ce que je peux construire des forts dans les provinces je peux complètement construire des forts. Ça serait pas mal des petits forts à droite à gauche, là. Notamment, genre, par ici, là, histoire d'éviter qu'ils se déplacent partout, tout le temps, là. Après tout, on a plein de sous, c'est l'occasion. Là, on va faire une ligne. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand il y a une guerre et qu'ils prennent tous ces trucs là, là, sans coup faire rire, c'est un peu relou. Déplacez-vous là. Vous. Alors oui, on a lancé la création d'une armée et on va dépasser notre limite, mais... Attends, est-ce que je piche pas ? Oui, non, mais non, ça doit être automatique. Quand tu déclares la guerre à un pays, s'il y a une coalition, ils rejoignent automatiquement, on est d'accord, mais ils apparaissent pas dans les pays... Enfin, dans la fenêtre de déclaration de guerre, ils apparaissent pas, on est d'accord. Ah si, ils apparaissent. T'as toute une liste de pays qui rejoint et ça te dit... ils vous rejoignent parce que ils sont en coalition contre toi. Si je déclare la guerre à la Savoie, je vais mettre pause, j'ai Aix-la-Chapelle qui vient, c'est un allié à lui. Et j'ai Milan, Toscane et Bologne qui sont membres d'une coalition contre nous qui rejoindraient. Mais c'est tout. J'ai rien d'autre. Alors bah, que... Ça veut dire qu'il n'y a personne. Hein. Bah si, j'ai Trente, Bologne, Toscane, Milan, Ferrare, l'Espagne, la Suisse, Salzbourg, la Lorraine et Augsbourg. J'ai tout bah, ça. Après, j'ai jamais compté les pays qui rejoindraient par rapport à ceux que tu es censé avoir en coalition. Mais théoriquement, c'est peut-être par zone géographique. Enfin là on est quand même assez proche entre l'Espagne et la Savoie. Ouais mais j'ai que ces trois là qui arriveraient en allié de l'ennemi. Et attends, fais voir qui il a en allié de base. Bah il a ces quatre là en allié. C'est les quatre alliés qui viendraient. Parce que si par exemple j'attaque l'Espagne moi. Par exemple.
intervention certaine de Brésil et tout, parce que... Italie va faire appel aux membres de la coalition. Ah là, ça marque bien, va faire appel aux membres de la coalition. Bologne, Salzbourg, Trent, Milan, Suisse, Ferrari, etc. Mais par contre, si je le fais sur la Savoie, ça me dit juste étalier à machin, machin, machin. Et pas ouais, va faire appel. Peut-être parce qu'elle n'est pas dans la coalition. Hein. Après, ils peuvent toujours te déclarer la guerre dans le dos, mais... D'accord, elle est pas dans la coalition en fait, donc ah bah ok, bah je lui tombe dessus tout de suite alors, fallait ouais, dire. Parce que moi là j'attaque un truc lambda qui est contre moi, j'ai vraiment la liste de tous ceux qui sont contre moi quoi. Oui, ils font appel aux membres de la coalition en mode énervé quoi. Bon bah alors let's go, on va lancer les déplacements là, 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 et puis ensuite voilà, et puis... Mais au fait, il fallait que j'améliore mes bateaux, moi. J'avais des bateaux améliorés. Oh là là... 2000 balles. Allez, mange. 5000 balles. Mange, c'est cadeau. Et ici, 1300. Dernière doctrine. Voilà. Doctrine est prise. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits bâtiments à faire pour avoir des marins d'ailleurs? Ok, bah je déclenche ma guerre alors. Oh, bah, je t'invite pas, j'imagine que tu t'en fous. Si t'as besoin de moi, tu m'appelleras, mais si c'est vraiment que la Savoie qui a pas de coalition, franchement, je pense que tu peux te gérer. Ouais, je vais appeler la Catalogne peut-être pour le fun, ou je vais la garder contre l'Espagne peut-être, la Catalogne même. Je vais peut-être même pas l'appeler. Ah, c'était pas un vassal la Catalogne? Non, je sais pas, ils ont pas voulu, c'est un allié. D'accord. Je les avais au moins pris en allié pour pas que l'Espagne leur tombe dessus gratos. Aix-la-Chapelle, Milan, ça fait quoi, 72 000 troupes en tout? Ouais, c'est bon, on va pas se prendre la tête, là. Ils sont ridicules. Non, mais faut arrêter, quoi, j'ai 3 troupes, là, qui sont côte à côte, hein, et j'ai déjà plus de 100 000 hommes, là. Mais j'ai même plus assez de province pour recruter, pour claquer ma thune et recruter assez de bateaux, quoi. Bon, bah, allez, let's go. Allez, hop, on va recruter 52 navires lourds supplémentaires, parce que pourquoi pas. Voilà, j'ai... Des éparatistes gamards se sont soulevés en gamard. Oh la vache, les flammes de Chobiti, général de niveau 3 quand même. Hein. Puis on a tellement rien à foutre des... Mais... Attends, est-ce que tu peux juste rebaisser en vitesse 2 s'il te plaît? Il y a une rébellion qui pop, mais juste à côté, à une province collée à l'armée des flammes de Chobiti, rien à foutre, elle est passée à côté, elle s'est barrée. Même pas, elle prend la peine de s'en occuper, quoi. Rien à branler. Ah, c'est énorme. En fait, il faudrait qu'on enlève nos édits, peut-être. Qu'ils servent plus à rien. Hop, aucun édit ici. L'Autriche est de nouveau une grande puissance. Et j'ai Aix-la-Chapelle, c'est vrai. Oh, qui vient de me faire un siège très rapide du Luxembourg. Et qu'il a pris. Ah bah si tu améliores pas l'effort, ouais, ça va vite, hein, l'effort level 2, hein, il tombe très vite maintenant. Ah oui, c'est un fort level 2, j'avais pas vu du tout. La navette volante. Si seulement les fileuses pouvaient travailler aussi vite. Eh bien... C'est pas très très sympathique tout ça. Bon, dans les colonies, forcément, ça gueule, hein, vu comment ça se déploie. On a grossi comme des gorets. Alors, ici, on a plus d'édits. Ici, on a encore quelques-uns. Taxons les 119 colonies. Prendre une fessée. Toi ? Non. Ah bah, 36 000 hommes contre 60 000. Quoi qu'ils ont un gros coup au moral quand même. Ah ouais. 35 000 hommes contre 65 000. En plus, ils ont les molus, ils ont les malus de terrain et tout. Ah, je vais peut-être les écraser en fait. La violence. Ah, je vais peut-être bien les écraser en fait. Oh, ça pique. Ah ouais, putain, bah écoute, oh, la Normandie vénère là. Défaite alliée. Pourquoi défaite alliée? Bah, c'est une victoire. Défaite... Ah, mais ça a peut-être rien à voir. Bah si, c'est là. Ok, j'ai rien bité là. Il m'a mis un message alors que je suis même pas dans la guerre. Défaite alliée. Alors que c'était une victoire. J'ai pas compris. Ouais, c'est bizarre. Portugal a déclaré la guerre à la France. Ah bah voilà, on va pouvoir aller bouffer le Portugal une fois qu'il aura pris ça comme colonie. Merci Portugal. En voilà une idée qu'elle est bonne.
des fourneaux. Merde, on a pas de place pour construire notre truc, fait chier. Allez, là on va prendre. Ça c'est rentable. C'est plus que les 750 de base, donc c'est rentable. Y'a qui dans les grandes puissances? Les premiers derrière c'est les Ottomans et après c'est toi. Pas mal. Après pas les mal, Ottomans. Ouais. Non, ils ont 116% parce qu'ils ont pas encore pris les lumières, mais ça suffira pas qu'ils remontent plus haut. Par contre, l'Espagne, quand elle va prendre les lumières, elle va doubler. Ah oui, bah ça, oui. Et on va bientôt pouvoir avoir une hégémonie navale. C'est pas beau, ah ça ouais. On a 230 bateaux lourds pour les 250 et j'ai lancé la construction de 52 de plus. Donc on va pouvoir prendre l'hégémonie navale. Et ça, c'est beau. L'Autriche a rejoint la coalition contre nous, oui c'est bien, on s'en fout. Allez, on bouge les troupes. Alors, normalement l'épisode est assez long, mais est-ce que tu veux finir ta guerre en speed ou pas? Ouais, s'il est trop long, non, on coupe le, c'est pas grave. Hein. Non, non, bah c'est pas... Il y a la Toscane qui vient juste de se prendre des mercenaires à l'Autriche, je suis pas sûr que ça... Ça les aide des masses. Non, je suis en mode... Ouais, t'es en mode te roule dessus, quoi. Ouais, bah écoute, on va s'arrêter là, et puis... On reprendra la prochaine fois tranquille. Pas de problème. Ça, tu vas pas perdre sur un mauvais calcul ou un truc du style, quoi. C'est ça. Du coup, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un petit peu plus calme de mon côté, mais du tien, ça va signer la fin de cette petite merde au milieu de ton territoire. N'est-ce pas? Exactement. Bientôt les fondus. On va pouvoir ajouter ça à notre répertoire. C'est exactement ça. Prochain petit épisode, fondu. Allez, laissez-nous un petit commentaire si ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.